Je suis fier de ce qu'ils ont mis en place ce soir. On avait décidé de faire un match ambitieux. Je crois qu'on l'a fait même à 10 contre 11. Et je leur ai dit à la fin du match qu'il fallait qu'ils aient en mémoire ce style de match parce que c'est comme ça qu'on pourra prétendre faire de bons résultats cette année. J'ai décidé notamment de rester à 3 derrière en mettant des pistons qui étaient des joueurs offensifs. Après, je savais que ça allait durer une heure. Pas plus, mais voilà, c'était important de pouvoir faire mal à l'adversaire malgré tout pendant une heure et après de pouvoir gérer. On n'a pas pu marquer ce deuxième but qui aurait été peut-être possible en première mi-temps, mais revenir avec un match nul ce soir, sans public, c'est pas facile parce que je sais pas, le pénalty je le vois pas trop, le carton rouge apparemment est mérité, le pénalty c'est un peu... C'est un peu difficile à accepter qu'en 5 minutes on puisse avoir un carton rouge et un penalty, mais mes joueurs ont bien réagi et c'est pour ça que je suis très content de ce soir de prendre au moins un point. Non, il n'y a rien de particulier, des fois ça peut arriver, il y a un dégagement, un pied en avant, on voulait bien faire, derrière peut-être un peu désorienté par le fait que Yo soit sorti. Peut-être le positionnement qui n'était pas encore plus ou moins équilibré. Mais c'est surtout l'important, c'est d'avoir montré à tout le monde que malgré tout, à 10 contre 11, on était capable de faire des choses très intéressantes. On essaye de mettre en place pas mal de choses et ce soir encore, on a réussi à mettre des choses qu'on voulait voir. Je suis un peu déçu justement de ne pas être à 11 contre 11 tout au long du match parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux et sûrement gagner ce match parce qu'il y avait des choses qu'on avait travaillées tout au long de la semaine qui ont été vraiment bien faites. Et malheureusement, avec un peu moins de gaz, ça a été un peu plus difficile à faire en seconde mi-temps. Et c'est comme ça qu'on construit des fois encore plus un groupe et notamment aussi certains repères et des matchs et des périodes de référence dans le jeu et dans l'abnégation, dans la solidarité, ce que j'avais demandé à mes joueurs avant le match. Faut pas s'enflammer non plus, ça ne reste qu'un match à jouer, mais si on arrive à mettre en place ça sur tout un match avec à 11 contre 11, ça serait intéressant.